Aujourd'hui, cuisses, abdos, fessiers, et oui, CAF, avec impact intérieur des cuisses, extérieur des cuisses, quadri, ischio et 4 minutes de Tabata. Ensuite, on enchaînera sur les abdos. On fera le haut du grand droit, bas du grand droit, un peu de taille et 4 minutes de Tabata. Et on enchaînera sur les fessiers, partie grand fessier, petit et moyen fessier. Et pour les sportifs qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra de recevoir mes vidéos et en plus, c'est gratuit. Allez, c'est parti, on attaque. Salut les sportifs et bienvenue sur Fitness Pierre Voisin, ton coach sportif à domicile. Alors, petite précision, pense bien s'échauffer. Et pour cela, j'ai mis une petite vidéo d'échauffement dans la description et aussi en haut à droite de l'écran. Allez, c'est parti, on commence par les squats. Motivé. Allez, pointe de pied vers l'extérieur. Squat large, on descend 4 temps. Allez, descend, 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 remonte, remonte, remonte. Encore. 1, 2, 3. 4 et remonte, 4, 3, 2, 1, alors précision, le dos droit, serre bien le centre du corps, pointe de pied vers l'extérieur et les genoux vers l'extérieur, encore, 1, 2, 3, 4 et remonte, 4, 3, 2, 1, redescend, 4, 3, 2, 1, stop, bloc en bas, tu as les fesses au niveau des genoux, le buste droit, serre bien les abdos, le centre du corps, allez, on impacte l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, petit mouvement bassin et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, remonte, relâche et check, check, allez, c'est la mise en route, allez, on est motivé, toujours pointe de pied vers l'extérieur, tu descends, tu vas tendre la jambe opposée, et petit mouvement bassin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu vas changer de jambe, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, relâche, allez, on est pied largeur de bassin, et tu descends, deux temps, descends, descends, remonte, remonte, encore, descends, descends, remonte, remonte. Allez, tu peux mettre les bras devant, c'est pour l'équilibre. Les talons sont ancrés au sol et le genou reste au-dessus du talon pour ne pas abîmer l'articulation. Encore, encore, stop. Tu vas bloquer en bas et petit en bas. Là, on impacte, on engage, je veux dire. Le devant des cuisses et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, tu relâches. Allez, talons fesses, check, 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 check. Tu vas ouvrir les jambes très très larges, les pointes de pied vers l'extérieur. On va impacter l'intérieur des cuisses, donc adducteur, tu descends, tu bloques, ouvre bien les pieds vers l'extérieur, plus tu les ouvres vers l'extérieur, plus ça, ça va te tirer au niveau de l'intérieur des cuisses, tu bloques les fesses au niveau des genoux, et petit en bas, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore, continue, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 et stop, relâche. Allez, check, check, check. On va venir. Pointe de pied vers l'extérieur. Squat large, tu descends rapide, tempo en bas, en haut. 1, 2, 3, 4. Allez, pense bien à souffler. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, si tu peux, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop, relâche. Allez, check, check, check. On va tout de suite mettre les chevilles l'une contre l'autre. Là, c'est pour donner encore plus d'impact encore sur le devant des cuisses. Donc, les quadris, tu descends. Là, les fesses au niveau des genoux. Surtout, n'amène pas les genoux devant. Hein. Pour tes articulations, petit en bas. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tape, tu bloques. Tu vas décaler la jambe gauche, tu ramènes la jambe droite, ramène et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, relâche. Allez, check, check. Allez, me lâchez pas, on est ensemble, je suis avec vous. Pointe de pied vers l'extérieur, dos droit. Allez, toujours intérieur, extérieur de vos cuisses. Pensez à cet été. Là, tu descends en bas et tu vas pivoter, poser le genou. Tu regardes loin devant, tu sors la poitrine, tes pecs, tu décolles le genou. Et tu tiens 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et reviens. Allez, tu descends, et tu tiens encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, remonte. Allez, check, check. Check, descends, bloque, et tu vas pivoter de l'autre côté. Tu poses le genou et décolle. Et on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, relâche. Allez, on va enchaîner sur un petit tabata. Donc, je vous rappelle le principe du tabata. Sur 4 minutes, donc 20 secondes de travail, vous le faites à votre rythme et 10 secondes de repos. Pour le moment, on est squat large. Squat large, pointe de pied ouvert à l'extérieur et tu descendras en haut, en bas, rapide. À la musique, ensemble. Allez, en haut, en bas. Allez, pensez bien à souffler. Allez, on lâche pas, on lâche pas. Ça, relâchez, check, check. Le prochain exercice, vous alternerez, hop, gauche-droite. Allez, encore. Encore. Allez, tu alternes, tout va bien. Allez, de la motivation, tape, relâche. On est pied largeur de bassin. Tu descends en bas et on va bloquer en bas, petit en bas. 3, 2, 1, allez, petite, petite, petite. Allez, on fait des petites rapides. Aïe, 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 ça pique. Allez, jusqu'au bout.
Allez, dos droit, on lâche pas. Allez, ça, relâche. Le prochain. Très très large, très très large. Tu vas bloquer en bas. Et petite. Allez, on est sur l'intérieur des cuisses. Allez, ensemble. Allez. Petite, 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 rapide. Et ouais. Allez. Soufflez. On lâche pas. Ça. Relâchez. Check. Check. Vous alternez. Gauche, droite. Allez. Alterne. Gauche, droite. Allez, pense bien à souffler. Allez, après le tabata, on enchaîne les abdos. Tape, relâche. Pointe de pied vers l'extérieur, en bas, en haut. Pour le prochain. Allez, rapide. Allez. Allez, souffle, souffle, rapide, rapide. Allez, stable bien le centre du corps. Stable, relâche. Allez, check, check. On va changer sur les deux derniers. Vous bloquez en bas et petit, petit saut. Allez, on fait des difficiles. Allez, petite, petite. Encore. Allez, jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Et stop. Allez, on relâche. Final one. Vous le connaissez, on alterne gauche-droite. Allez. Allez, essayez, rapide. Rapide. Allez, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et stop, relâchez. Profitez pour boire. On passe aux abdos. I get lost inside my thoughts and when I start to think. Allez, sur le dos. On se met sur le dos. Les jambes au-dessus de vous. À 90 degrés, lombaire plaqué, les abdos sont serrés, vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale, position de chaise renversée, c'est la position idéale de sécurité pour protéger votre dos. On met les deux mains de chaque côté et vous allez lever le buste de temps. Lève, lève. Descends, descends, encore. Encore. Allez, pensez bien à souffler pour bien oxygéner le muscle. Allez, pour pas tétaniser. Stop. Tu vas bloquer en haut. Et tu vas faire 8 petites en haut. Et 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, stop, relâche. Tu vas poser le buste, garder les jambes au-dessus de toi à 90 degrés et tu vas tendre la jambe droite. Ramène. Tends la jambe gauche. Et ramène. Tends la jambe droite. Ramène. Encore, jambe gauche. Ramène. Et tu vas alterner gauche-droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, relâche.
Repose le buste. Passe les mains sous les fesses. Ta jambe gauche est à 90 degrés. Tu vas tendre la jambe droite, ramène vers toi. Tends devant. Encore. Tends. Tends. Ramène. Ramène. Allez, on met les mains sous les fesses. C'est pour protéger votre dos, vos lombaires. Encore. Encore. Et 8. Tempo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Stop. Relâche. Allez, soufflez. Récupérez. Vous tendez les deux jambes, les deux bras. Inspirez. Et repassez les mains sous les fesses. Vous tendez la jambe gauche et la jambe droite est à 90 degrés au-dessus de vous. Et tu ramènes. Ramène. Et tends. Tends. Encore. Allez, pareil, pensez bien à souffler. Si tu poses le buste, c'est plus facile. Hein. Si tu le lèves légèrement, ça va impacter encore plus au niveau du haut du grand droit. Tu vas sentir la difficulté. Allez, 8 tempo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Et stop, relâche. On va tout de suite passer en gainage. Alors, je vais vous donner une option de facilité pour le gainage. Donc, vous êtes en appui sur les coudes. Orteil, ça c'est l'option de difficulté, on regarde à 10 cm devant soi, l'option de facilité, on pose les genoux et il y a un travail qui se fait quand même hein, au niveau du transvers. Allez, on regarde à 10 cm devant soi, on tient et on tient encore 8, on tient encore 7, on tient encore 6, on tient encore 5, on tient encore 4, on tient encore 3. On tient encore 2, on tient encore 1, et stop, on relâche. On va passer sur le dos. Sur le dos. On va mettre les talons à l'arrière des cuisses, au niveau des ischios. Mettre les bras ancrés au sol et vous allez lever légèrement le bassin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, donc là on est vraiment sur le bas des abdos, pose le buste, hein, c'est plus facile, lève-le, c'est un peu plus difficile, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et stop, relâche. Tends les jambes au-dessus de toi. Les bras ancrés au sol, épaules plaquées au sol. Et tu vas amener les jambes légèrement côté. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop là. Vous avez pu vous en rendre compte, on travaille la taille. Là, il y a un engagement sur la taille. Encore de l'autre côté. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Repose. Tu poses les jambes légèrement devant toi. Tu peux poser le coude et tu ramènes les genoux. Et tu vas tendre les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Stop. Allez, c'était pour ma petite partie taille. On va faire de l'autre côté. On se met en appui légèrement, voilà, sur le coude.
Faut le bassin perpendiculaire au sol et on ramène les genoux, on tend 1, 2, après on va enchaîner avec un Tabata pour les plus motivés, encore, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, stop, relâche. Allez, Tabata abdos. Donc je vous rappelle le principe, hein. 4 minutes de travail et 20 secondes intensives, 10 secondes de repos. On va tendre les deux jambes, les deux bras et on ramène. Allez, rapide à la musique. Allez, ensemble. Allez, soufflez. Stop, on relâche. Allez, le prochain, on va passer au gainage. Sur les coudes, les orteils, décaler le bassin gauche-droite. Allez, ensemble, allez. Là, on engage la taille. En même temps, il y a du gainage. Et stop, relâche. Allez, passe sur le dos. Allez, de la motivation. On va amener pour le prochain. Jambe gauche, bras droit. Allez. Soufflez. Keep it up. Stop. Inversement de l'autre côté. On amène bras gauche, jambe droite. À la musique. 3, 2, 1, go. Allez, jusqu'au bout. Souffle, souffle. Allez, je suis avec vous. On ramène les pieds, les talons près des fesses, les bras au-dessus et on va lever le buste légèrement reposé. Encore. Allez, rapide. Rapide. Allez, soufflez. Souffle. On va passer en gainage sur les mains. Allez, on bloque. On tient. Allez, on tient jusqu'au bout. Aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, encore. Stop. Vous venez de faire 20 secondes de gainage. Félicitations. Allez, sur le dos. It's in your head. 3, 2, 1, go. Entre croisement, droite, gauche. Round 7. Encore. Encore. Don't quit. Allez, soufflez. Stop. Final round. Allez, final round, c'est le dernier. Après, on passe aux fessiers. Tu décolles les deux pieds, gauche, droite. Allez, ensemble. You can do it. Allez, jusqu'au bout. Lâchez pas. Et stop. Allez, relâchez. Si vous l'avez fait vraiment jusqu'au bout, vous avez fait tout entier, je suis fier de vous. Allez, on va passer aux fessiers. Donc on va se mettre
en appui vraiment sur le dos. Pour le prochain, vous allez mettre les talons près des fesses, les bras ancrés au sol. Et vous allez lever le bassin de temps. Lève, lève, descend, descend. Encore, lève, lève, descend, descend. Là, on travaille la partie grand fessier. Encore. Allez, encore. Et... stop, tu bloques en haut, tu fais vraiment une rétroversion du bassin, donc tu amènes ton bassin vers le haut, amène bien le talon près de la fesse pour pas que ça tire de trop dans l'arrière de la cuisse. Là on est vraiment, on cible vraiment l'arrière du fessier, le grand fessier. Tu vas tendre la jambe opposée et faire un petit cercle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, et dans l'autre sens, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, propose. Allez, on bloque toujours en haut, on bloque, on lâche pas. Tends la jambe opposée, et petit cercle, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans l'autre sens, allez ensemble, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On va passer tout de suite sur le côté. Vous ramenez les jambes pliées. Tu vas lever la jambe du haut et petit en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors on est sur la partie petit moyen fessier, donc le côté, hein, le côté de la fesse. Le creux, encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, tends. Tends, incline la pointe des pieds vers le bas. J'attends la musique et petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâche. On va passer de l'autre côté. Allez, ça pique, je le sais. Il faut souffrir pour être belle, pour être beau. Allez, les jambes pliées. On est de l'autre côté, tu lèves. Et petite, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tends la jambe. Pointe de pied inclinée vers le bas et petit battement dynamique et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Allez. Merci à vous, c'est terminé. Mais avant ça, on va s'étirer. N'oubliez pas l'étirement. On remet la fibre musculaire à la place initiale. Alors, on va tendre les jambes devant soi. Vous allez inspirer. Allez chercher loin. Inclinez le buste.
Relâche. On va tout de suite étirer les fessiers. On a bien engagé les fessiers. Ramène la jambe droite, le talon près de la fesse. Le talon sur le genou. Allez, tire. Là, vous sentez bien que ça tire, c'est que ça a bien travaillé. Regarde loin devant. Allez, sortez pec, la poitrine, dos droit et relâche. Encore une fois, les jambes devant. Inspire, va chercher loin. Incline le buste. Relâche. Allez, l'autre jambe. Tu plies la jambe opposée. Et la cheville sur le genou. Allez, dos droit. C'est bien soufflé. Et stop, relâchez. On va tout de suite passer sur le dos. On va tendre les deux jambes, les deux bras. Vous inspirez. Expire. Tu vas attraper le genou. Tu vas tirer, presser le genou contre la poitrine. Là, un étirement sur le fessier, bas du dos. Allez, pensez bien à souffler. Les étirements sont très importants avant une, après une séance. Hein. Relâchez, on va passer sur le côté, garder la jambe. Et on amène talon, fesse. Menez talon fesse, donc on passe la même jambe qu'on vient de presser contre la poitrine. On amène le talon à la fesse et tu relâches. Allez, l'autre jambe. On fait l'autre jambe. Pressez le genou contre la poitrine. Allez, soufflez, soufflez. Passer côté, la même jambe, pareil, on amène le talon, fesse, là on étire le devant de la cuisse, la partie quadri, si tu veux que vraiment ça tire un peu plus, tu amènes le bassin vers l'avant, et relâche, allez, on va tout de suite passer sur le ventre, lever, le buste pour étirer la partie grand droit, donc les abdos. Tu regardes loin devant. En yoga, ça s'appelle le cobra, la position du cobra. Après, tu inspires. Tu vas passer les fesses sur les talons. Tu vas chercher loin devant pour étirer le haut du dos. Allez, on va passer en appui sur les orteils, les fesses sur les talons. Vous allez dérouler vertèbre après vertèbre. Donc lombaire, dorsale. Tu termines par les cervicales. Tu inspires, grandis, 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 grandis. Va chercher haut. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à commenter, à liker, relâche, allez encore une fois, j'aime bien avoir des retours de mes séances, vos ressentis, hein. Même des critiques positives, c'est toujours intéressant, allez relâchez, merci à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao bisous.